L'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Culture, Salut, je suis un joli petit animal d'une trentaine de centimètres. Apparemment, je suis mort depuis belle lurette. En fait, depuis 240 millions d'années. Je voudrais te raconter mon histoire et comment on m'a fait renaître. Je suis un ostéosaure, un reptile de la famille des pachypleurosaures. Depuis des millions d'années, je suis enfermé dans cette roche, tout seul, immobile. De mon vivant, j'étais dynamique et je nageais entouré d'un grand nombre de mes semblables. Béat, un paléontologue, m'a trouvé en 2001, à 8 mètres de profondeur, dans la paroi rocheuse d'Aqua del Gifo, dans la couche inférieure du calcaire du Méridé. Il travaillait pour l'Université de Zurich et le Musée cantonal d'histoire naturelle de Lugano. D'abord, on m'a passé en rayon X, puis on m'a mesuré. Et regarde, là, on est en train de me libérer. Voici mes petites pattes. Je les ai développées au cours de millions d'années pour m'adapter aux grandes transformations de la nature, quand, pour assurer la survie de notre espèce, nous avons dû quitter la terre ferme et aller vivre dans des eaux chaudes et peu profondes. Pour mieux nager, je me suis doté d'une longue queue. J'ai aussi transformé mes pattes avant en petites pagaies. Il fallait bien que je fasse honneur à mon nom. Neustichosaure, ça veut dire « lézard qui nage ». J'étais trop léger pour bien plonger. Alors, j'ai lesté mon corps en rendant certains os de mon squelette plus épais et plus lourds. C'est ce que tu vois ici. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous appelle pachypleurosaures. En grec, ça veut dire « reptile aux côtes épaisses ». Je me nourrissais de ce que je trouvais sous la surface de l'eau. Je raffolais des petits poissons, mais ne dédaignais pas non plus les crevettes, comme garniture en quelque sorte. J'étais un prédateur, oui, mais il fallait quand même que je reste sur mes gardes, parce que parmi les reptiles marins, nous étions les plus petits, ce qui fait qu'on finissait souvent dans l'estomac du premier cérésiosaure venu. Quelle vie, hein ! Les paléontologues ont scié les os de quelques-uns de mes congénères et découvert que nous ne vivions pas plus de 8 à 9 ans, quand on y arrivait. Voilà, c'était un peu de mon histoire, et ça, c'est moi. Je dois d'être là à la personne qui m'a trouvé, et à Lucas, le paléontologue qui vient de me délivrer. Ils m'ont aussi donné une identité. Je suis un ostéosaure Peyri, et mon nom est MCSN 5758. Maintenant, une nouvelle vie m'attend. Après 240 millions d'années, je suis là, avec toi. Et c'est comme une passerelle à travers les âges.